Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau gameplay sur la chaîne. Alors il n'était pas prévu du tout pour ce mois-ci, mais en tout cas je l'avais prévu pour le faire pour cette année en tout cas. Il s'agit d'une trilogie, il s'agit de Metro Last Light. Alors Metro Last Light c'est le deuxième opus de cette trilogie. On avait fait le Metro 2033 il y a, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus exactement. On l'avait fait, et on avait fait aussi le Metro Exodus, le dernier en date, qui est sorti en 2019, si mes souvenirs sont bons. Donc, il me restait juste le deuxième opus à faire, c'est le Metro Last Light. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on est sur PS5, et donc c'est parti, commençons cette aventure. Donc c'est l'opus qui suit le 2033, hein, évidemment. Allez, on commence en mode normal, hein, puisqu'il n'y a pas de mode facile. Soit en mode normal, soit en mode difficile. Et on va faire ça en mode normal, évidemment. Allez. Normal, difficile, ranger. Bon, ranger, c'est l'extra difficile. Allez, commençons cette aventure. Alors, il y a pas mal de dialogues. Donc, les sons sont venus bien plus tard. Depuis les jardins. Les sombres. Immenses. Dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar, aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Joseph. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. J'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Artyom, debout! Artyom, c'est moi, Khan! Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter, avant que tu lances les missiles contre eux. Khan! Bordel, comment t'es rentré? Tire-toi, vite! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Khan, je t'ai dit de dégager. C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnik. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, Piplette. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû bouffer, boire, respirer via un trou dans la gorge. Ok. Bon. On est enfin dans le jeu. On avance tranquillement. On découvre. Alors là, si je m'en souviens bien, faudra aller récupérer nos armes, acheter des armes, et on pourra continuer.
Alors ça se passe dans les métros, hein. Vous êtes sûrement, vous savez, hein, on a fait le 2033, donc c'est la suite, hein. C'est vraiment la suite logique du jeu. Donc, let's go. On est toujours avec Artyom, hein, évidemment. Et ce sera des vidéos de plus d'une heure qu'on va faire sur le jeu. Donc, let's go. On peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans, et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds dans le métro aussi. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les Medipacks, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. Allez, passons aux choses sérieuses. On va te trouver des flingues. Prends ceux que tu veux et scelle-les sur mon champ de tir. Les Rangers portent en général 3 armes. À toi de voir celle dont tu veux t'équiper. J'essaierai de pas trop parler, hein, lorsqu'il y a des dialogues, parce que c'est mieux de suivre avec moi, enfin de suivre l'aventure et les dialogues, donc franchement, j'essaierai de pas trop parler. Alors c'est un jeu comme le premier opus, hein, c'est un jeu FPS, un peu horreur, post-apo, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Allez, on avance, ok, let's go. Les tombes des anciens rois étaient remplies de tout le nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête tes conneries! Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans l'au-delà. De l'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce, tués par des démons, des fantômes, leur avarice. Khan, tu vas la fermer, ouais. Hé, il paraît que Lesnitsky a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Lesnitsky était dans le labo. Quand la relève est arrivée, la porte était ouverte et le labo dévasté. Lesnitsky avait disparu. Merde! Alors, il y a quoi de temps? Des armes chimiques, peut-être d'autres saloperies. C'est tout ce que je sais. Bordel de merde. Le colonel va me massacrer à cause de Lesnitsky. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste.
Parfait. Allons-y. On pourrait contrôler T6, mais c'est comme une putain de ville ici. Avec tous les bunkers, les petits recoins et les issues. Mais bon, c'est une base que l'Ordre rêvait de trouver. Les gars viennent juste de revenir du cercle. Ils disent que Hansa renforce les effectifs tout au long de la ligne. Surtout à proximité des bunkers. Il a ordonné que tous nos hommes se rassemblent sur cette base. Écoutons ce qu'il a à dire à cette assemblée. J'ai un mauvais pressentiment. Herman, amène ces gars à Melnik. Il les attend. Oui, chef. Parfait, allez-y. J'attends ici. Quand vous serez parti, je parlerai à Melnik. Le bombardement des sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et s'il ne voulait pas de mal, mais qu'il tentait de communiquer... Peut-être que la forte douleur et la perte de conscience engendrée par leur présence voulaient dire qu'on était... incompatibles. On est juste des machines différentes. Mais étrangement, Artyom, tu as les mêmes circuits qu'eux. Tu as un lien avec les sombres. Oui, des gens sont morts avec des NKH, Tasta submergés. Hunter, le meilleur de l'Ordre, est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. C'est la loi d'évolution. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. Parfait. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler ? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en vie dans les jardins. Quoi ? Un de ces trucs vit encore ? Par chance, oui. Par chance ? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'Ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna ? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper ? À éliminer la créature et finir le travail de l'Ordre. Melnik, c'est pas... C'est un meurtre ! Arrêtez-le ! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur ! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens donc, mon lapin. Artyom, si c'est vrai que les sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit, ou Anna aura deux cibles à tuer. C'est bien compris ? On suspecte Lesnitsky d'avoir été un agent dormant. Mais nous ne savons pas qui l'emploie. Votre boulot consiste à l'intercepter avant. Dis pas que tu crois à ces conneries de paix avec les sombres. J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même, pour voir les missiles s'abattre et les cramer dans leur nid. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins? Tu devrais s'accoupler avec eux, pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiation? Putain, on marchande pas avec le diable. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train arrive. Parfait. Grimpe là-dedans, mon petit. Bon, on a assez campé ici. On y va. Il y a un an, j'étais en haut de la tour de télévision, à regarder les missiles tomber sur les jardins botaniques, transformer la chair en cendres et faire fondre le métal et le verre. Rien ni personne n'aurait pu survivre à cet enfer. Et pourtant, Khan a trouvé un sombre. Ma mission est maintenant de l'éliminer, de finir ce que j'ai commencé.
Ok. Bon, comme vous le voyez, les chapitres de métro sont répartis comme ça. À chaque fois, il y a des petites zones. On avance et... Donc voilà. Avant, les trains étaient des trucs ordinaires. Allez, on continue. Maintenant, ce monorail a l'air magique, pas vrai? Nos gamins sauront pas les faire fonctionner. Et leurs enfants penseront que ça a été fait par les dieux. Okay. J'essaie de pas trop parler hein, quand je vous l'ai dit dans les quand il y a du dialogue parce que j'ai envie. C'est un jeu que je connais hein, je l'ai fini deux fois déjà ce jeu. Je l'avais fait une première fois sur PS3 et la deuxième fois je l'ai refait sur PS4 quand il était sorti à l'époque. Et là on est sur PS5, voilà. Ok. Alors c'est très très sombre, hein. Vous allez voir, on combat des humains et en même temps des monstres. Hein. Des vampires, vous allez voir. C'est comme le premier opus, hein. Le 2033, on l'a fait il y a... Je sais plus, il y a 2 ans il me semble, hein, ou l'année dernière, je me rappelle plus exactement. Donc, il y a des choses... très intéressantes. Alors, c'est une licence que j'aime beaucoup, personnellement. Allez, tout doucement. Tout doucement. C'est bon. Let's go. Parfait. La carte indique un point d'entrée de collecteur droit devant. Prends à droite. Il y a un cul-de-sac à gauche. Quelque chose les a alertés. Fais gaffe. Ce truc est rapide. Je pense pas qu'on risque grand chose ici. Super. L'échelle. Faut encore marcher un peu. Ensuite, on verra si t'es un lapin ou un homme. La surface. Mets ton masque. Arrête de mater mon cul. Il n'y a aucune chance que tu l'aies, mon lapin. Donne-moi un coup de main. Allons à l'entrée principale. On a une bonne position de tir de là. Je peux couvrir beaucoup de terrain. T'es censé être immunisé contre leur influence, c'est ça? Moi, je suis une fille normale. Alors je peux pas y aller. Avance et cherche la créature. Je crois que si le sombre t'apprécie tellement, celui-ci te sentira ou fera ce qu'il a à faire et il sortira de sa planque. Essaie de rester à découvert pour que je te couvre. On gardera le contact radio. Et si jamais t'es pris de remords, t'en fais pas. Je le ferai. Bon, allez. Bonne chance. Ok. Allez. On avance petit à petit. Alors, parfois, on est en groupe, hein, dans le jeu, mais parfois, on est tout seul. Hein. Il faudra se démerder pour avancer tout seul. Là, on est à la recherche de l'ombre. Il y a des petites choses à fouiller. Je fais rien. Continue de l'approcher, je couvre. Ok. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Ça doit être tout au fond, il faudra descendre de l'autre côté. Alors évidemment, parfois on est dehors, hein, évidemment. Mais vous avez vu que c'est vraiment très apocalyptique hein, dehors. Hein, c'est vraiment le carnage. Désolé. Prépare-toi.
Bon, là on va affronter les premiers ennemis. Ok. Là c'est des seules bestioles. Ok. Oh. Ow. Ils sont faciles à battre, ceux-là, mais ils sont plus chiants quand ils sont plusieurs. Ok. Allez, dégage. Encore. Ow. Il est encore là-bas, non? Ok. Comment tu vas? Déjà pas mal. Hey, tout va bien? Et Artyom, t'as fait du bon boulot. Ouais, ouais, bon, c'est les 10, ça. Hein. Ok, à gauche, il y a un chemin. T'inquiète, j'ai vu. Un arbre me bloque la vue. Alors désolé, hein, si j'essaie de... J'essaie de pas trop parler quand il y a les dialogues, je le répète encore une fois. Parce que c'est vraiment une question... ce jeu, il est vraiment dans l'ambiance, en fait. Il faut vraiment se mettre dans l'ambiance pour bien profiter à fond du jeu, quoi. Il y a beaucoup de blabla, surtout. Hein. Petit, mais c'est bien sombre. Allez. Il est là. Ah, il faut charger le filtre. Surprends-le par la gauche. Il est toujours là. Désolé. Ok. C'est vraiment une gestion aussi. Il y a plein de choses dans ce jeu. Hein. Faut gérer les munitions, faut gérer les armes, faut gérer le filtre aussi, le masque à gaz, parce qu'il y a des radiations. C'est vraiment... vraiment intéressant comme jeu. Une fois qu'on aura fini le jeu, on fera la playlist complète avec la trilogie entière, hein, comme j'avais fait pour les anciens jeux comme Dishonored, Tomb Raider, Max Payne, Uncharted, et tous les autres. Viens là! Viens là, sale bête! Allez! Voilà. Allez, go! Ok. La créature que j'ai nouveau chapitre. Des on l'avance tranquillou. Elle a pu pénétrer mon esprit. Let's go! Et en tirer le plus intime. Mais ce n'était qu'un enfant. Et je suis sûr qu'elle m'a reconnu. Et qu'elle a eu peur. Elle m'a aussi laissé KO un moment. Juste assez pour que je me fasse capturer. Herr Führer, ces prisonniers ont été capturés au jardin botanique. On pense qu'ils cherchaient quelque chose. Ces deux-là sont des rouges. Ils refusent de parler. Le troisième ressemble à un ranger de l'ordre. On a attrapé un mutant près d'eux, un monstre de la taille d'un enfant. Il a aussi été livré au Reich. Je verrai ça plus tard. Et celui-là? Mutation suspectée. Non, non, je suis normal. Vous voyez deux bras, deux jambes, 10 doigts. Vous comprenez pas? Je suis un citoyen de Hansa. La ferme! Vous n'êtes pas un Hansa. Vous êtes soupçonné de la distribution de gènes endommagés, et ceci est votre procès. Si votre crâne a les bonnes proportions, vous pourrez partir.
Sinon, vous êtes une abomination. C'est scientifique. C'est un scandale! Je vous ai dit de ne pas bouger! Alors? Voyons. 318 mm par... 302. Vérifions dans le tableau. Ah, félicitations! Vous êtes un mutant! Non! Non! Dans le vide ordure! Une petite question. C'était quoi ta mission dans les jardins? Va te faire foutre, sale facho! Je vais compter jusqu'à 3. 1. Gloire à la ligne rouge! 2. Vive le camarade Moskvin! 3. Pitié! Pitié! Je vais parler. Mais. Loin des autres, d'accord? Ils vont me tuer s'ils s'entendent. D'accord? Amenez celui-là à la deuxième unité. En général, le Reich ne se mêle pas des affaires de l'ordre. Mais voilà qu'on chope des rouges et un monstre. Tous dans le même panier. Ça me plaît pas. Alors parle ou je te mets une balle dans la tête. Tuez l'officier! Tiens, prends le couteau. Garde-le. Alors, t'es de l'ordre de Sparte? Je suis de la ligne rouge. Nos supérieurs ne sont pas entrés en terme. Mais bon, on s'en fout, peu importe. Entre soldats, on s'entraide. Allez. Je vois. Très bien. Génial. Un verrou télécommandé. Une chose est sûre. Notre seule chance de sortir de là vivant, c'est de s'entraider. Bon, alors... Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le vide ordure? Allez, fichons le camp d'ici. Et après, on pourra partir chacun de notre côté. Bien. Tu vois les tuyaux? Voici leur plan de secours. En cas d'émeute ou d'évasion, il leur suffit d'ouvrir la valve et la prison se transforme en chambre à gaz géante. La vache! On peut dire que leurs prédécesseurs les inspirent. Chut! On ira dès que le monde charge sera parti. On y va! Bordel, c'est pas vrai! J'avais entendu dire qu'il y avait un camp de concentration ici, mais le voir de mes propres yeux... Saloperie. Il y a un tunnel de l'autre côté. Bon, je mène et tu suis. Allez, fais pas de bruit ou ils vont gazer tout le monde. Tiens, voyons un peu ça. On y va. Évite la lumière et reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure amie. Ok, c'est parfait. On dirait qu'on a réussi. Voyons voir. Alors... une grille. Ouais, merde, pas de chance. Ça bouge pas d'un poil. Bon, on peut pas passer par ici, c'est certain. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Et si... Hé! Oh! Aide-moi un peu, tu veux? Monte par ici. Chut. Voyons voir. Bon, écoute. Dis-toi que t'es une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. Allons-y doucement. D'accord? Tu peux que blesser les gens. On va sauver des vies innocentes en le fusillant. Non, on va pas le fusiller. Merci, monsieur le soldat. Merci. Le Führer a dit que le fusil, c'est trop bien pour les... Bouge! Il mérite juste d'être pendu. Suis-moi! C'est quoi? Je suis pas tout à fait d'accord avec le Führer. Le Führer est infaillible. Bien sûr, mais un pendu, ça se vide les intestins, et après, faut nettoyer. Bon, tu prends celui de droite et moi celui de gauche. Je vais l'occuper, et toi, tu descends le tien. Versteon, vas-y,
Mais pas de précipitation, pigé. C'est parti. Baisse-toi, sinon on va te voir. J'ai une idée. On le bat à mort avec une pelle. C'est efficace. Ok, très bien. On se la joue un peu commando, hein, là, depuis tout à l'heure. Allez, on dégage l'échelle. Ouais, bon, on va essayer, frère, parce que bon, c'est pas facile, hein. Ok. Alors, maintenant. Ah, il est là. C'est bon, dévisse l'ampoule. Ok. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il va faire, là? Ah, il va couper le courant, je crois. Pour que je puisse passer par là, voilà. Ok, on va attraper celui qui est là, sur le côté gauche. N'importe quoi. Comme si on allait en gâcher pour toi. Allez, tais-toi. Boum. Là, c'est fait. Et on monte là-haut. Ok. Bon, bah parfait. Ça va. J'ai eu l'impression de voir mon fils. Et ce marchand de Hansa, il arrêtait pas de me harceler pour que je vende la créature. Il disait que ça serait du gâchis de l'abattre, qui me paierait bien. Alors ben, moi j'ai... Montre-moi les balles. Ok, écoute, je suis prêt à partager. Ça fait trop pour moi tout seul. Mais n'en parle pas à l'Oberscharfuhrer. J'ai pu me faire 200 balles. Qu'est-ce que vous faites là ici? Eh ben, notre garde est terminée. Alors vous n'avez plus rien à faire ici. Retournez au campement. Oui, et Oberscharfuhrer. Quelque chose. Je croyais qu'on était mal. Pourquoi ça fait si mal? Il faut vous casser si vous entendez. Si t'arrêtes pas de pousser, je te souhaite les bras. Une dent qui vous aime pas mal. Allô, j'aimerais juste mal. Super, t'as réussi. Ok. On allume. Oula, il faut que je me cache là. Ah, la porte elle s'ouvre là. Moi j'ai encore des couteaux. On va essayer de viser lui là. Boum. Ok ok ok, doucement, doucement. Voilà. Et on active ça. Et voilà. Ok, parfait. Allez go. Tiens, prends ça. Chouette montre. Ah, le petit indicateur bleu. Il s'allume quand t'es visible, hein. C'est bon, il y a sûrement d'autres gardes plus loin, mais ils pourront pas nous gazer. On va pouvoir se détendre. Je voudrais bien une grenade. Mais bon, on pourra pas se détendre. Allons-y, mon chef. Passe par le bas, je prends le haut et je te couvre. Bordel! Tous ceux qui me tiennent les bras.
De la prison facho pourrait s'intituler « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Cet ami, c'est Pavel. Il dirigeait une équipe de reconnaissance éliminée par les fachos. Je n'ai jamais été fan des communistes, mais Pavel s'est comporté en vrai. Alors, comment ça va, mon vieux ? Tout va bien ? Oh, t'es costaud ! Pas étonnant que tu sois Ranger. Sécurité, dégagez! Marge, la chance nous sourit. Nos éclaireurs ont repéré un véritable trésor. Le légendaire Bunker D6. D'énormes bâtiments remplis de réserves. Il y a des médicaments et assez de bois, de conserves pour faire vivre le Reich une centaine d'années. Il y a assez d'armes pour nous permettre d'éliminer les monstres et les mutants de la surface de la Terre. Herr Führer ! Qu'est-ce que tu veux ? Une élévation ! Putain ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'est-ce que vous fichez là ? Rattrapez-les ! Ok, bon. Eh ben, quelle mission, hein. Ça explosait de partout, là. Allez, évasion, on poursuit à la suite du chapitre. Let's go. Maintenant qu'il est dans le métro, je ne pourrai pas le retrouver tout seul. Il faut que j'atteigne la station neutre la plus proche, et puis police, le QG de l'ordre. Pavel me montrera le chemin. Wow! Oh, on dirait qu'on les a perdus. On ferait bien d'aller vite fait au théâtre. Y'a pas d'autre endroit où aller, hein, mon vieux. Est-ce que ça va, mon vieux? Super. L'armure est d'enfer. Merde. Un cul-de-sac. Tiens bon. Terminus, hein. Y'a pas d'autre solution. Fais chier. On continue à pied. Faut que tu me suives. Bon. Je me souviens pas d'avoir vu ce tunnel sur une carte. Ouf. On est encore sur le terrain du Reich. Faut faire gaffe. Là, un tuyau. Viens ici, Artyom. Voilà. Ok,
Attends ici pendant que je regarde. Merde ! Hey ! Un espion ! Attrapez-le ! C'est un putain de ninja. Emmenons-le au poste de garde. Et si ce fumier était pas tout seul ? Attention, deuxième poste de garde. Vérifiez votre section du tunnel. On a chopé un rat dans les conduits. Ouvrez l'œil. Bon. Là, je pense que ça va être la grosse merde. Ok. Toi, tu dégages. Ah, mais arrête de lancer ce coup, là, la con, là. Je sais pas ce qu'il a. Ok, ça, c'est bon. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Ok. C'est tendu, c'est tendu! Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Merci, merci. C'est tendu, hein. Ok. Il est où? Ok. Ça fait mal, hein. Allez, dégage. Toi, c'est bon. Allez, dégage. Ouh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Ok. Ok. Parfait. Ouais. Bof. Ok. On vérifie tout. Ça je prends, mais je m'en fous. Ok, des balles. Eh merde. Il y en a encore qui vont débarquer. C'est tendu, c'est tendu, les amis. C'est grave tendu. Ah, désolé, je suis un peu enrhumé. Mais bon. Les balles, je prends tout. Ah, ils sont en haut, ils sont en haut. Ils sont en haut. Ils sont là. C'est tendu. Il est où? Je te vois, hein. C'est bon, j'ai eu. Ok. Jusque là, ça passe. Parfait, ça c'est pas mal ça. Allez, on poursuit, on avance. Hein. Je pense qu'il n'y a plus personne dans le coin. Ok, ok. Allez, on va par là. Bah alors, tu te rends pas. Dégage. Alors, rien à foutre. T'aurais pu m'attaquer par derrière. Hein. Ok. On avance petit à petit. Ok. Alors. Par où est le chemin? Y'a rien. Ah, par là. Oula. Let's go. Pavel va sûrement être pendu. Qui sait ce qui me serait arrivé s'il ne m'avait pas libéré?
Rouge, bleu, jaune. Quelle différence ça fait? Il a risqué sa vie pour moi. Ça n'arrive pas souvent dans le métro. Je ne peux pas le laisser tomber. Merde! Je savais que tu m'abandonnerais pas. T'es un vrai camarade. Je te dois une fière chandelle. Allez, fais-moi sortir d'ici et je te ramènerai à la maison en un rien de temps. Merde! Ils viennent s'occuper de moi! Ils vont m'emmener et me pendre! Bonne chance, mon ami. Tu es mon seul espoir! Allez, ramène ton cul ici, sale rat communiste! Ton frère était un monstre et ta mère est anormale. Tu sais ce que ça signifie? Quoi? Que soit t'es un monstre toi aussi, soit ta mère est une pute. Espèce de... Allez, dis-le! Ma mère est une pute! Dis-le, mon con! Sinon, t'es un monstre! Ta mère est un pute de monstre! Non! 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 Hein? Hey. C'est quoi ça? Ok. Ah, il y a encore des ennemis là. Alors toi, tu dégages. C'est rien du tout. Va dormir. Il y a encore plein d'ennemis dans le coin. Dégage toi. Dégage! Dégage toi! Allez! Allez, dégage! Dégage! Allez, allez, c'est bon? Bon, je crois que c'est bon. Il y a la petite sauvegarde en haut à gauche, enfin en bas à gauche. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans la zone. Bon, on va fouiller et avancer.
Attention, on reste en alerte. Les intrus sont en suite. Restez vigilants. Toutes les personnes suspicieuses doivent être abattues. Changement de garde dans 30 minutes. T'as entendu ça? On est encore en alerte. Tu pourrais au moins préparer ton flingue. J'ai mon flingue dans mon fuite pendant que le tien était par terre. Ouais, ton flingue va vachement t'aider quand les rousses viendront te chercher. Attention! Bon. Encore des ennemis. Hop. Hop. Là, à mon avis, il y en aura beaucoup. Hein. Allez, mets-la. Allez. Allez. Allez, dégage. Allez. Il m'énerve quand il lance son coup, la tordue, là. Ok. On va avoir fait une belle brochette, là-bas, encore. Hein. Il y a encore un. Il est où? Ah, il est là-bas. On va ramasser un petit peu tout le truc qu'on a fait, là. Ok. On ramasse tout. Tous les balles. Voilà. Voilà. Ok. Ah, il y en a pas. Tu vas pas crever, hein. Crève. C'est bon. Ok, ok. Des babales. Ok. Bon. Ok, ok, ok. Ok. Non, là, rien. Encore un petit peu par là, on va faire gaffe quand même, ne pas se faire avoir. Allez, go! Ils sont bien armés, eux, ils ont un gros gilet pare-balles.
Ils sont un peu plus résistants que d'autres, mais ça va. Ok. Merci bien. Bon, allez. Non, tu te rends pas. Va dormir. J'en ai rien à foutre. Ok. Parfait. On fouille un petit peu, comme d'habitude. Ok. Ok. Allez, on poursuit. J'ai sauvé Pavel de la pendaison. Il dit qu'il m'amènera aussi près de police que possible. Ensuite, je contacterai l'ordre pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. Je n'y ai jamais mis les pieds, et sans mon nouvel ami, je serais sûrement complètement perdu. J'espère qu'il connaît son chemin. Wow, c'est du beau travail, Artyom! Comme les trois mousquetaires, hein? Enfin, s'ils étaient deux. T'as déjà lu ce livre? Il est complexe, mais je l'ai adoré. J'ai toujours voulu être Athos. Toi, tu peux être D'Artagnan, d'accord? Allez, on n'a pas le temps. Il faut aller au théâtre. Ensuite, tu vas à police, et je retourne à la ligne rouge, ok? Merde! Ça me plaît pas qu'ils aient laissé tomber, et qu'ils aient fermé la porte derrière nous. C'est mauvais signe. Moscou est juste derrière nous. En avant. Stop. Merde. C'est pour ça que les fachos coupent la lumière. Ces trucs n'aiment pas ça. D'accord, Spartiate. Le son rapide. Les balles ne servent à rien. Mais s'ils craignent la lumière, alors on va leur en donner. D'accord? Effondrement? Ah, on dirait qu'ils ont fait sauter le tunnel. Y a peut-être un truc de l'autre côté que les balles n'arrêtent pas. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Un courant d'air! On doit pouvoir traverser! Artyom, aide-moi avec ça! Partout.
Attendez une petite minute. Merde. Il doit y avoir de plus grosses bêtes. Artyom, attention de ne pas les réveiller. Merde! Ils sont pas loin! Attends, Artyom, doucement! Sois prudent. Ça me paraît bon. Allons-y. Un puits. C'est haut. On pourra pas y grimper. Ok. Espérons que le monte charge fonctionne bien. Les générateurs marchent. C'est bon. Mon cher, allons faire un tour avec ça, d'accord? Bon, où on va? Bordel! Pourquoi il s'arrête? Le conducteur est mort ou quoi? Merde! Allez! Merde! Vous entendu? Bordel, on est en plein dans leur nid! Putain! Ils sont nombreux! Ouais. Dégage! Il s'est arrêté! Attends! Attends! Allez, c'est... Dégagez-moi! Ah, ils sont horribles ces trucs. Ils sont horribles ces trucs, horribles. C'est son seul point faible. Et surtout quand ils sont plusieurs, ils sont relous. Bon, Artyom, si on rencontre un de ces machins, allume ta lampe jusqu'à ce qu'ils se mettent sur le dos, compris? Ces fumiers ont horreur de lumière. Allez, suis-moi. Artyom, la lumière, crame-la, merde! Tiens, prends ça, saleté! Allume la lampe de poche. Merci, et t'avais surtout pas de l'éteindre. Un pour tous, hein! Par ici! Bon, on m'en a parlé. Le théâtre ne devrait pas être loin. Ouh, c'est haut. Allons-y! Merde! Encore elle! Retiens-les, Artyom! Je vais nous faire passer! Super! Ça devrait marcher! Artyom! Artyom! Non mais viens, tirer dessus! Fais comme moi. Dans la voiture.
son ventre, tu le plombes. N'oublie pas la lance de force, Artyom. Descends-le. Allez, je vais t'aider. Eh ben... Allez, donne. Ouais. On y va. Hop là. J'espère que pour l'instant ça vous plaît, hein, pour ce Metro Last Light. Alors vous le connaissez tous, hein, je pense, ce jeu, mais bon. Je voulais absolument faire cette trilogie et finir cette trilogie sur la chaîne. Ok. On avance petit à petit, les amis. On va bientôt s'arrêter à là, pour cette première partie, en tout cas. Attends un peu, Artyom. C'est dangereux sans lumière. Laisse-moi fabriquer une torche. Parfait. Lumière. C'est bon, on y va. Merde! On dirait une serrure électrique. Bon, les câbles vont... Et voilà. Ah, par là. Hé, regarde, D'Artagnan. Il y a de la lumière. Si tu suis les câbles, tu devrais trouver une boîte à fusils. Ça devrait ouvrir la porte. Mais la batterie est sûrement morte. Quand tu la trouveras, attache-y ton chargeur et on tentera d'ouvrir la porte, compris? Hé, hey, t'en fais pas pour moi. Je suis Athos. Je vais les tuer de ma lame. Thank you.
c'était super, Artyom. Bonne idée. Ouais. Bon. Et de une. Suis-moi. On est presque arrivé au théâtre. L'entrée du métro ne doit plus être loin. Bon les amis, on va s'arrêter à là pour cette partie de Metro Last Light. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. On se retrouvera pour le chapitre suivant lors d'une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.